Ok, salut tout le monde, c'est Rankine, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour l'épisode 88 de The Legend of Zelda Breath of the Wild, le troisième et dernier exceptionnellement de ce week-end de marathon spécial Breath of the Wild. Aujourd'hui, on va terminer les épreuves de... les quêtes annexes. Pourquoi est-ce que je fais ça? Je comprends pas. Ah, j'ai voulu voir si le chien allait tourner sur lui-même. Bon bref, on s'en fout. Là, on va aller... on va aller voir Ingrid. Souvenez-vous, Breath of the Wild avec Célestin coach en séduction, ça vous dira forcément quelque chose. Je crois que c'était Ingrid coach en séduction numéro 1. Et là, on va lui parler parce qu'il va falloir qu'on lui donne du beurre et un turbo max pour qu'il puisse faire sa paella de la mer. Mais apparemment, je ne suis pas à la bonne heure, donc on va avancer le temps. Midi, c'est pas mal. Ok, on va retourner voir Ingrid. Bijou Ingrid. Voilà. Bijou Ingrid. Voilà, c'est ça. Donc, alors. Je vous laisse lire. Je crois que j'ai tout ce qu'il faut sur moi. Je regarde, mais il me semble que j'ai tout ce qu'il faut. J'ai du turbo. Non. Ouais, j'ai tout ce qu'il faut. C'est bon. Non. Surtout pas. Ouais, j'ai tous les ingrédients. Ok, super. Mais oui, ça va être bon. Alors, attendez. Ah, j'augmente légèrement le gain. Ok. Paella de la mer. Ok, c'est acté. Bon, bah super, ok. Et on va se retrouver. On va aller au niveau de... Alors là, je... Alors, vous avez demandé pourquoi est-ce que je fais une pause, parce qu'en fait, là, comment, de mon côté, je regardais sur ma Switch, parce que j'avais terminé depuis longtemps, eh bien, les quêtes annexes, je regardais ce qui me manquait. Voilà. Donc, vous pouvez pas le voir, mais là, je suis en train de vérifier si tout était bon. Et là, la dernière quête qui me manque, c'est au niveau d'Akala, près de... Près d'une étable, hop. Près d'un relais. Alors, attendez, où est-ce que ça se trouve? C'est ici. Non. Au relais de Jizu Kafi. Et donc, on va parler à trois sœurs. C'est pour un anniversaire, je crois. Il va falloir donner des libellules à la petite. Enfin, c'est tout un bordel. Je vais vous ellipser parce que je sais que la libellule qui va être... qui sera en question, évidemment, bah, ce sera la plus chiante à choper. Donc, je vais vous ellipser ça et on va se retrouver tout de suite après quand j'aurai trouvé cette de libellule. Hein, je vais rester poli. Alors, la douce voix que vous entendez derrière, c'est ma chérie qui discute au téléphone. Voilà. Hop. Ah oui, il me restait 22 secondes de son. Alors, au moment où je vous parle, l'épisode 87 et 88, eh bien, il y a quelques secondes de... Il y a quelques secondes de décalage entre les deux. Je vais mettre la tenue du héros du temps. Non, Ocarina of Time. Bah oui, Ocarina du temps. Et on va parler à Mademoiselle. Qu'est-ce que je fous? Qu'est-ce que je fous? Ah non, faut parler à la petite. Faut parler à la petite... Alors, si bien évidemment... Ah, je vérifie. Si bien évidemment, il manque une quête annexe, eh bien, elle sera comptabilisée avant le centième et ultime épisode. Ne vous inquiétez pas. Alors... Non, c'est pas Elten. Alors, où est-ce que tu es? Kaifa, bonjour. Je suis un client, oui. Ah, très bien.
Récemment, un type louche nommé Kilton a commencé à se montrer dans plusieurs régions du royaume. Oui, appuie. Si ce que j'ai entendu est vrai, il possède un magasin appelé l'Antre des Monstres. Il paraît que au relais de l'Est de Kala, faites attention. J'ai appuyé trop vite. Ok, bon, on s'en fout. Voilà, c'est à la petite qu'on a parlé. Eh oh! Eh oh, monsieur. Tu sais quoi, j'ai un secret. Tu veux savoir ce que c'est? Oui, dis-moi. Alors, je vais te le dire. Ma grande sœur Jujun, elle adore les fleurs armo. Oh, c'était ça mon secret. Jujun va de nouveau m'en vouloir. Ok. T'as l'air louche, tu veux quoi? Je suis pas louche. Oh, on verra. Et toi, ce que t'as là, c'est une fleur armo, pas vrai? Est-ce que tu veux bien m'en donner une, s'il te plaît? Tu débarques de nulle part et tu m'offres une fleur, ma fleur préférée. Je sens qu'on va s'entendre. Bon, revenons à nos moutons. Comme dirait Kaïfa, à Akala, y a rien que dalle. Qu'est-ce que tu viens faire dans ce trou paumé? Bah, je voyage. Un voyageur, hein? Alors tu vas pouvoir m'aider. J'ai une petite sœur, Suga, elle adore les insectes. Je sais qu'il y en a. Je sais qu'il y en a qu'elle voudrait. Elle va peut-être m'en parler avec sa grande sœur. Va savoir ce qui lui passe par la tête. Bref, c'est là que tu interviens. Va la voir et tire-lui les vers du nez. Pas pour tout te dire. Ok, d'accord. J'habille toujours trop vite. Donc ça s'appelle l'entomologie. Et Suga. Tu sais quoi? J'ai un secret. Tu veux savoir ce que c'est? Dis-moi. Alors je vais te le dire. Ma grande sœur Jujun, elle déteste les libellules. J'ai trouvé un dessin avec une libellule piment, une libellule glagla, une libellule volte. Je l'ai montré à Jujun, mais elle m'a dit blablabla. J'appuie toujours trop vite. Ah, c'était ça mon secret. Jujun va de nouveau nous vouloir. Mais c'est rien parce que le dessin était mal fait. Putain, j'appuie trop vite. Bon, en gros, il va falloir trouver. En gros, il va falloir trouver une libellule de piment, une libellule glagla et une libellule volte ou électron. J'ai la libellule, le piment, glagla, mais pas électro. Alors. Donc on va aller lui parler. Et à l'issue, on va faire une ellipse. Des libellules de toutes les sales bêtes qui grouillent partout. Il y en a une libellule volte, voilà, j'étais pas loin. Saleté de libellule, rien que de penser à tous ces yeux, ça me dégoûte. Si Suya ne voulait pas m'en parler, c'est parce qu'elle sait que je déteste. Mais comme c'est pour son code d'anniversaire, pas le choix. Apporte-moi une libellule piment, une libellule glagla, une libellule vol, et pas un mot à Suya pour lui faire la surprise. Bon, comme vous pouvez le voir sur la sacoche, je n'ai pas de libellule piment. Je vais devoir aller en chercher une. Je crois que je vais galérer pour la trouver. Elle est au niveau du plateau du tonnerre. Je vais vous épargner cette recherche. On va se retrouver au niveau du plateau du tonnerre quand j'aurai chopé une libellule. On va se rendre ici ensuite. Et ce sera la fin des quêtes annexes. Allez, à tout de suite, les gens. À toutes. Ellipse. Ok, les amis. Ça y est. J'ai enfin cette putain de libellule volte. J'ai bien galéré pour l'avoir. Enfin, c'est bon. Alors, voilà. On va retourner maintenant au relais d'Akala. Il reste plus beaucoup de temps avant la fin de l'épisode 88. C'est parti. Allez, vas-y, saute, petit Link, saute. Alors désolé pour le son que vous entendez derrière, c'est toujours Krista qui parle fort au téléphone, je suis vraiment navré, j'espère que vous n'allez pas l'entendre. Elle discute avec une amie. Bon, mais il reste plus beaucoup de temps. En fait, je voulais prolonger l'épisode, mais je me dis que ça sert à rien de toute façon, parce que le plus gros était fait, je pense qu'on va plus on va plus revenir. Ok, alors. Je sais plus qui je dois aller voir. Oui, la petite, c'est ça. La petite.
Avant que j'oublie. Ça avance avec la libellule piment, libellule glagla et libellule volt. Très bien. Alors, est-ce que je peux les voir, les avoir? Je ne peux pas. C'est au-dessus de mes forces. Va les donner à Souya toi-même, s'il te plaît. C'est ce que je vais faire. Ok. Alors, Souya, Souya. Elle est là, Souya. Eh oh, salut monsieur! Tu veux quoi? Tiens, c'est pour toi. Vraiment, c'est quoi? C'est quoi? Oh, des vraies libellules! Hey, Dojun, regarde, une vraie libellule piment. Et une glagla et une volte. Bouge pas, je les amène pour que tu puisses les voir. Regarde. Ah, j'en connais une qui va péter un câble. Éloigne ça de moi! Bon, on va voir Jojoon maintenant. Et ensuite, ça va être bon. Alors. J'ai réussi à me calmer. Bon, j'imagine que je dois te remercier pour cette histoire, les libellules. Tiens, prends ça. Et pendant qu'on reçoit le rubis argenté, on va déjà se quitter, les amis. On a déjà terminé cet épisode. En tout cas. C'était un véritable plaisir que de faire encore une fois depuis, comme je dis, depuis presque 7 mois maintenant, ce let's play. Je vous laisse lire pendant que je vous parle. Si l'épisode vous a plu et que vous découvrez ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un petit pouce bleu qui pointe vers le ciel et qui fait toujours plaisir, à partager la vidéo en y parlant autour de toi, à bien sûr à t'abonner comme je l'ai dit, à liker la page Facebook et à me suivre sur Instagram, homegamer-69. On se retrouve dimanche prochain, 28 novembre, pour les épisodes de 89, 90, 91 et 92, qui seront exclusivement les épreuves du prodige Revali. Je vous embrasse bien fort, à très bientôt, gros bisous tout le monde, et prenez soin de vous, c'est plus important, à samedi dimanche prochain.